Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis super contente parce que du coup ça va être une vidéo un peu spéciale. Je sais que nous sommes au mois de octobre et que du coup dans 2 mois c'est Noël. Et je me suis dit que ce serait sympa du coup de vous montrer en fait un calendrier de l'Avent. Donc en gros je vais faire l'ouverture du coup d'un calendrier de l'Avent avec vous. Je me suis dit que comme ça si vous avez des idées ou si vous l'avez déjà vu, ça pourrait peut-être vous plaire. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai acheté à Action dans ma dernière vidéo de vlog que je vous ai faite. Je vous ai montré un calendrier de l'Avent que j'ai acheté et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo sur ça pour ceux ou pour celles qui voudraient l'avoir ou l'offrir pour Noël justement. Je me suis dit que ce serait super sympa, donc du coup je vous fais la vidéo. Est-ce que j'avais très envie de vous montrer tout ça. Personnellement, moi, je n'ai jamais acheté de calendrier de l'Avent à Action, simplement parce que il m'attirait pas. Et là, cette année, j'avais envie d'essayer de découvrir deux calendriers de l'Avent. Donc le premier calendrier, c'est celui la catégorie spa, donc tout ce qui est soins, etc. Et vous avez l'autre calendrier de l'Avent qui est du coup catégorie maquillage beauté. Et du coup, j'ai pas trouvé le beauté. Parce qu'en fait il était en rupture, il n'y en a absolument plus, je suis dégoûtée. Je voulais vraiment vous montrer les deux et vous faire une vidéo sur les deux calendriers. Il y a un retour de ce produit là en magasin à Action, j'irai l'acheter et je vous ferai une vidéo dessus. J'espère pouvoir vous la faire, dans tous les cas je ne sais pas quand est-ce qu'ils en auront, mais dès que je peux en avoir j'en aurai. Et voilà, je vous ferai une vidéo dessus et voilà. Du coup pour aujourd'hui on reste sur le calendrier de l'Avent spa, voilà, c'est déjà ça de prix, c'est déjà très très bien, donc on va commencer tout de suite. Donc voilà la bête, il est énorme, il est vraiment très très grand, donc à l'intérieur, donc il est vert, donc vous avez le vert qui est spa et le bleu qui est pour le make-up. Donc j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait à l'intérieur et ça fait une semaine, littéralement une semaine que j'attends de l'ouvrir parce que du coup j'avais trop envie de l'ouvrir mais je me suis dit non, faut que tu montres ça sur YouTube, je peux pas l'ouvrir sans leur avoir montré. Donc voilà, il est énorme et dedans il y a 24 Days of Skincare and Beauty Advent Calendar. Donc en gros c'est un calendrier de l'Avent avec 24 cases. J'aurais bien aimé avoir 25 cases, comme ça le jour de Noël, le 25, on a une dernière case, mais il n'y en a que 24, c'est déjà très bien. Pour le prix, il est de 12,95€ si je dis pas de bêtises. Je l'ai acheté il y a une semaine, donc voilà. Normalement c'est ça, mais si jamais je me trompe, je vous mettrai la rectification dans la barre d'infos. Sachez que ma barre d'infos est toujours pleine. Je fais en sorte de toujours bien la remplir, de toujours bien la présenter et qu'elle soit propre. Et qu'elle soit complète pour que vous ayez toutes les références par exemple de mes vêtements, de mes bijoux. Quand je fais une vidéo make-up, je vous mets toutes les références, tous les produits, peut-être pas les liens parce que je n'arrive pas encore à le faire, mais j'essaie de vraiment vous mettre un maximum vraiment d'informations que vous pouvez retrouver dans la vidéo. Je vous les mets du coup dans la barre d'infos, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire un tour, il y a des fois où vous pouvez retrouver des choses. Tous les produits sont vegan. J'ai vraiment hâte d'ouvrir tout ça. J'ai même pas enlevé le plastique. C'est pour vous dire. Vraiment, j'ai vraiment rien ouvert, rien regardé. Bon voilà, on va commencer tout de suite. Il est énorme par rapport à moi. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Donc, on va ouvrir. Ouf, trop bien, j'aime trop. Du coup, ce qui reste, j'ai tout enlevé le haut et les côtés parce que clairement, c'était pas du tout pratique. Et du coup, on va commencer. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Case numéro 1. Ah bah elle est là, juste à côté de moi. C'est une grande case. Donc... ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert de calendrier de l'Avent parce que j'achète plus de calendrier de l'Avent au chocolat. J'en achète vraiment pour mes petits frères, mais j'en achète pas pour moi. Ouh, une crème pour les mains. Alors, écrit spa exclusive Holy Moly Bloom and Cream en 30 ml. Donc c'est une crème pour les mains, écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Donc on voit bien que derrière il y a écrit, il y a le petit logo vegan. Donc... voilà comment elle se présente. On continue avec la case numéro 2 que je cherche. Elle est là, elle est en long. Alors, c'est un peu compliqué à ouvrir, hein. Enfin j'ai pas des longs ongles. C'est des vrais ongles, mais ils sont pas très longs, mais c'est un peu compliqué. Je suis surtout un peu gauchère en fait. C'est un peu ça aussi qui fait que je sais rien faire de la main droite. Hein, vraiment, je l'utilise très très peu.
Donc dès que j'utilise un peu ma main droite, c'est... Alors, j'ai pas regardé encore. C'est une ongle. Oh, elle est trop mignonne. Enfin, elle est adorée pailletée. Mais, et derrière, vous avez... Mais écoutez, ça fait vraiment Noël. Ça fait... Oui, ça fait Noël. C'est toujours utile d'avoir une lime à ongles. Ça fait partie des soins. Parce qu'on fait ses ongles, on lime ses ongles. Oui, pourquoi pas. Elle est très jolie. Derrière, vous avez le côté noir, basique, simple. Mais franchement, c'est utile. J'aime bien. Avec la case numéro 3. J'essaie de vous montrer à chaque fois, mais c'est compliqué. Ah là là, au fur et à mesure des années, je prendrai la main. Ce ne sera plus un problème, mais là pour l'instant, bah c'est la première fois, donc il faut que j'aie le coup de main. Ouh, Pure Mary Sheer. Un body scrub, c'est un gommage pour le corps. Donc de spa exclusive, Pure Mary Sheer en 50 ml. Donc c'est un gommage pour le corps, écoutez. Ça a l'air d'être vraiment pas mal, vegan également. Et en 50 ml, donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah oui, il est fermé. J'aurais bien voulu sentir l'odeur ou quoi que ce soit. Le paquet est vraiment mignon, il est blanc avec des petits points dorés et le bouchon est doré. Ça reste dans le thème de Noël, c'est pas rouge ou quoi que ce soit, mais écoutez, ça reste dans le thème, il y a du doré et du blanc, mais écoutez, c'est juste vraiment mignon. Je cherche la numéro... 4 maintenant. J'arrête de vous montrer parce que c'est un peu compliqué, voilà. C'est un peu compliqué de vous montrer et d'ouvrir en même temps. Alors, là on est sur... Donc toujours de chez Spa Exclusive, Pure Mary Sheer, un gel douche. Donc oui, un shower douche. Shower gel, pardon, donc un gel pour... pour se laver le corps, je bug, pardon. Donc 50 ml, donc écoutez, vraiment mignon. J'ai juste envie de sentir l'odeur, mais je parie qu'il est fermé. Ouais, ils sont tous bien fermés, donc ça c'est vraiment top. C'est vraiment top, et c'est un petit produit comme ça là. Je trouve que c'est pratique ça. C'est vraiment top, j'aime bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous êtes au courant, mais moi j'adore les odeurs, enfin rien que là, le calendrier, ils sont super bons. Même avec le plastique, il sortait déjà très très bon et là il sent encore super bon. La numéro 5. Et du coup, le calendrier, le carton sent super bon. Donc je pense que les produits vont tous sentir bon, j'espère. Alors, oui, je découvre, hein, donc vraiment je connais pas forcément les produits ou quoi que ce soit. Donc Face Wash, donc c'est un gel pour le visage. Un petit flacon comme ça, donc c'est un 30 ml. Écoutez, c'est mignon, j'aime bien. La numéro 6. Ah, là, on arrive dans le vert, ça fait Noël. Donc, Sweet Mary Cherry, donc Face Scrub, donc en 50 ml. C'est un gel exfoliant pour le visage. Là, on est toujours sur le tube doré, le bouchon doré et le tube blanc. Vert, pardon, avec des flocons dorés. Ça fait vraiment Noël, j'aime beaucoup. On va voir l'odeur et de ce produit-là, s'il n'y a pas de problème, ça pique pas ou quoi que ce soit. Donc c'est sympa d'avoir un produit pour exfolier le visage. Ouh, et la 7, elle est là. J'ai jamais autant aimé chercher des chiffres que maintenant. Je n'aime pas les maths, je déteste les maths. Et là, je suis contente de trouver le 7. Il a rien de spécial, mais... Ouh ! Oh, allez. On a un Sweet Mary Cherry Body Mist. Donc, c'est une brume corporelle, c'est ça. En 30 ml. Elle est mignonne. Elle est vraiment trop chou. Donc, elle est verte avec, du coup, des flocons dorés, avec le bouchon un peu doré et blanc. Numéro 8. 8. C'est une grande case. Elle est grande comme ça. Clairement, le calendrier de l'Avent, il est en train de mourir. Hein. Excusez-moi pour les bruits, mais... J'essaye d'être la plus délicate possible. Oh bah...
Y a pas le 8, je comprends pas, y a rien. il a dû glisser, c'est pas grave. On va le retrouver dans une... Bah, je sais pas où. La 9, il est beaucoup plus fin, il est vraiment long comme ça. J'allais dire un crayon pour les yeux, mais on n'est pas du tout dans le maquillage, on est vraiment dans le soin. Donc ça va pas être ça. Est-ce que ça pourrait être... Alors là, chapeau. Oh, c'est un... Oui, bah oui, c'est logique. Ça repousse cuticule, donc vert, donc ça reste dans le thème de Noël. On a du coup ce côté-là, et on a du coup ce côté-là beaucoup plus plat. Mais écoutez, ça sert toujours. C'est vrai que c'est pas le genre de d'outils que j'utilise, parce que je ne repousse pas mes cuticules. J'en ai vraiment pas beaucoup, clairement. Je me plains pas, mais du coup, c'est vrai que c'est utile. C'est vrai que c'est utile, je peux trouver une utilité à ce truc. Peut-être pas forcément repousser mes cuticules, mais c'est vrai que, je sais pas, je vais m'en servir, hein, probablement. Mais ouais, c'est... Après, ça fait partie du soin de son corps, donc oui, c'est utile. La numéro 10, j'ai vu tout à l'heure, elle est en bas, elle est carrée. Je vous ai pas précisé au début de la vidéo, mais sachez que je montre absolument tous les produits. Donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Je l'ai pas précisé parce que ça me semble logique. Je fais une ouverture de... Je fais une ouverture de calendrier de l'avant, donc je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est logique. On est sur un petit pot comme ça, un petit format, on n'a pas encore eu. Donc c'est un foot crème. Une crème pour le corps. Ah ben non, foot. Crème pour les pieds. 50 ml et Sweet Mary Cherry. Donc écoutez, je pense qu'il a aussi un petit socle, enfin un petit protège, ouais, il a un protège. Donc on a le format qui est sympa, écoutez. Il est vert avec du coup le bouchon doré. Bah écoutez, ça reste dans le thème de Noël. Et une crème pour les pieds, c'est pas mal. Vraiment bien. Numéro 11. On est sur un shampoing. Écoutez, un 50 ml. Donc là, le flacon, il est complètement doré. J'aime vraiment bien. Il est doré, mais transparent. Enfin, moi, personnellement, je vois à travers. Donc, il est avec le bouchon noir et toujours le même système de tout à l'heure. Ah non, je pense qu'il est fermé, on sent rien. Écoutez, un shampoing, on va voir ce que ça va donner et tout. Également vegan, hein, je le précise pas, mais vraiment, tous les produits sont vegan. Et en 50 ml, donc ça a l'air plutôt sympa. Je vais l'essayer et je vais voir s'il est bien ou pas. Voilà. Ok. En fait, j'ai deux en un. J'ai une case avec deux produits dedans. Et je vous explique. Je pense que tout à l'heure, je vous ai montré la numéro 8. Je pense que c'est ça. Hein, mais la numéro 8, il y avait en fait ça dedans. C'est pour mettre, quand vous mettez du vernis pour vos doigts de pied, et bien en fait, vous mettez ça. Moi, je me suis jamais servi de ce truc-là. Jamais. Ils sont noirs. Ils ont l'air d'être pas mal. Écoutez, pourquoi pas, mais je sais pas si je vais m'en servir parce que généralement je m'en sers pas. Je mets très très peu de vernis à mes doigts de pied et je mets également aussi presque pas de vernis mais voilà, mais sinon écoutez, je pourquoi pas, oui, c'est utile et c'est correct dans un calendrier de soins, donc oui. La véritable numéro 12, hein, voilà. Parce que c'est pas ce que je viens de vous montrer. Un conditionneur. Alors ça, c'est un après-shampoing, je crois. C'est ça. Je préfère vérifier, hein, parce que moi, l'anglais, ça fait un moment. Alors là, il est dévissé, par contre. J'espère qu'il n'était pas ouvert ou quoi que ce soit. De toute façon, mon calendrier n'a pas été ouvert. Clairement, il était neuf de chez neuf, donc... Mais écoutez, on est sur un petit flacon doré comme pour le shampoing. Écoutez, c'est Holy Moly Bloom, donc ça doit pas être la même senteur. En 50 ml, il est toujours vegan, le bouchon est noir, bah écoutez, c'est un après-shampoing, on va voir ce que ça va donner. Numéro 13, c'est un petit carré. C'est quoi? J'ai ça. C'est dans un petit sachet comme ça, transparent. Je vais l'ouvrir parce que je veux savoir ce que c'est. Oh, c'est un petit élastique vert sympa. Il est vraiment beau. C'est pas le genre de verre que je mets, mais écoutez, c'est beau pour Noël. Bon, quand on est blonde, c'est beaucoup plus voyant, mais là je suis brune, donc je suis châtain clair.
Bon, là, l'hiver, il devient foncé. Mais écoutez, je le mets tout de suite parce que je sais pas, je l'ai trouvé beau. Donc, bah, écoutez, voilà. 0, 14. Alors, 14, c'est une plus grande case. Oh! On est sur un body lotion. Donc, c'est une lotion corporelle. Donc, en 50 ml. Toujours vegan. Donc, ça, c'est vraiment top. Il se présente comme ça. Le packaging est toujours le même. Ça n'a pas changé. J'aime vraiment bien. La numéro 15. Donc 15 pour ceux qui parlent pas anglais. Ah, on a un plus petit format en 8 ml. Donc c'est facial mask, c'est un masque pour le visage. C'est ça, en 8 ml, vegan également. Mais il est beaucoup plus petit, donc il est tout doré avec le bouchon noir, mais il est beaucoup plus petit. La numéro 16, c'est vraiment une grosse case, genre. Vraiment. Ah, j'ai déchiré le truc. Qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de trucs de bain là. Mais j'ai pas de baignoire, c'est dommage. C'est du sel de bain. Cristaux pour le bain. 17. On a une petite case, le 17. Hein. Vraiment. C'est un carré petit, un petit carré. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas l'utilité de... C'est une rose. Je comprends pas l'utilité de ça. C'est une rose blanche qui sent très bon, mais je suis censée faire quoi avec? Je veux dire que c'est un peu la première déception de ce calendrier. Il en faut bien une. Il en faut bien une parce que le calendrier peut pas être parfait. Mais écoutez. Donc j'en étais à la 18. Enfin, à la 17, mais je passe à la 18. Une étoile, tout ce que j'aime. C'est une étoile. C'est un savon. Un savon, il y a 20 grammes. Donc vegan aussi. Ah non, il n'est pas vegan, celui-là. Il n'est pas vegan. Bah écoutez. Ah, c'est ça qui sent bon. 19. Elle est en haut. Sur un autre format de ce qu'on a encore, qu'on n'a pas. On n'a pas du tout vu ce genre de format. C'est un baume pour les lèvres, donc Lips Balm. Pure Mary Cheer en 10 grammes. Mais écoutez, je pense qu'il est fermé aussi, hein, comme l'autre, comme tous les autres produits. Ouais. Ah non, c'est pas fermé du tout. Oh, ça sent bon. Très agréable. Ah, il sent vraiment bon. J'aime vraiment beaucoup. Je vais pas en mettre parce que j'ai du rouge à lèvres. Mais écoutez, j'aime vraiment bien. Comme à la case 20. Oh non. On a encore une boule de bain. Bath Bomb. Elle sent très bon. Elle est verte un peu. Bon, ça reste dans le thème de Noël, oui. Écoutez, c'est une boule de bain, écoutez, qui sent bon, qui est verte, qui est ronde. Mais je... je sais pas trop comment m'en servir, du coup. Pour moi, je sais pas comment m'en servir, mais si vous avez une baignoire, c'est plutôt pratique. Ça peut vraiment faire quelque chose de... Je n'ai jamais utilisé de ça. Donc, voilà. Elle sent la pomme ou le kiwi. Elle sent bon, après, c'est pas du tout désagréable. Elle sent très bon. Mais écoutez, c'est dommage, je sais pas comment je vais l'utiliser, mais en tout cas... oui, pourquoi pas. Il n'est pas vegan, ce produit. Donc, on était à la case numéro 21. Ah, on arrive vers la fin. Mais non, moi je veux pas. Je veux que ça dure toute la vie. On est sur un galet de pied effervescent. Je m'attendais pas à avoir en forme de pied. Bah écoutez, il est blanc. Pourquoi pas. C'est vraiment très subtil. Hein. C'est pas du tout fort. Pas vraiment comme la boule de bain. La boule de bain, on a vraiment bien senti. Là, c'est beaucoup plus fin. Limite, faut coller son nez au papier. Mais sinon, mais écoutez, oui. Pour les pieds. Oui, parce que le soin, on a le soin des pieds. Mais pourquoi pas, je sais pas du tout. Ah, oh, un bandeau pour les yeux. C'est super stylé, j'en ai jamais eu. C'est vraiment top. Pour dormir et tout. Alors je sais qu'il y a vraiment des gens qui utilisent ça. Moi je dors pas avec ce truc là. Mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui l'utilisent. Oh, wow. 23.
Une crème de jour, day cream. Ça se présente comme ceci, Pure Mary Cheer en 30 ml. Ce produit est vegan et c'est une crème de jour. Écoutez, oui, ça fait partie des soins. On va voir du coup ce que ça va donner. Mais non, on est déjà à la 24. Oh bah non. Je suis trop dégoûtée. Bon, mais écoutez, après avoir trucidé de ce calendrier d'avant, je l'ai clairement trucidé. D'habitude, je fais attention, mais là, je n'arrivais pas. Dernière case qui se trouve ici. J'ai un peu peur. Je vais l'ouvrir avec vous. Oh. Je suis un peu déçue. Quel est de bain effervescent? Alors, il gagne des points. De une, parce qu'il est doré. De deux, parce que c'est une étoile. Et de trois, parce que je pense que si vous mettez ça dans votre bain, ça c'est doré. J'adore le doré, mais j'ai pas de bain. C'est tout moche. Je suis trop dégoûtée. Mais voilà, si vous avez un bain, pourquoi pas. J'ai bien aimé. Après, voilà, écoutez, c'est en forme d'étoile, etc. et tout. Pas de problème. Ça, je vais encore avoir plein de paillettes partout. Pourquoi pas. Mais c'est dommage, si vous n'avez pas de baignoire, c'est compliqué. Pareil aussi. Et pareil aussi. Ça, je reviens dessus, aucune utilité. Après, les produits pour le bain, c'est pour le bain. Je comprends, ils ont essayé de mettre pour tout le monde. Voilà, si vous n'avez pas de bain, bah, c'est la faute à personne. Mais voilà, c'est un peu dommage du coup. Mais ça, par contre, je veux pas être méchante, mais non. Mettez autre chose à la place, mais... Par exemple, ça, ça aurait pu remplacer un vernis, un petit vernis rouge ou vert ou pailleté pour Noël, vous voyez. Mais pas... En plus, elle est même pas montée. Pour tous ces produits, je suis très contente. Je trouve que pour 12,95€, ça vaut largement le prix. Si vous voulez offrir ça à quelqu'un ou pour vous l'offrir pour vous-même, bah, écoutez, foncez. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il y avait dedans. C'est vrai que je suis un peu déçue par rapport au bain. Parce qu'il y a des produits pour le bain, pour la baignoire. Bah écoutez, que je vais pas forcément m'en servir pour le bain. Peut-être m'en servir pour autre chose, mais en tout cas, pas pour ça. Et puis, écoutez, sachez que pour le prix, ça vaut le coup. Vous trouvez ça à Action. Voilà. J'y suis allée aujourd'hui et franchement, il y en a encore. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. C'est vrai que c'est la première fois que je fais quelque chose, enfin une vidéo en rapport à Noël. Mais c'est vrai que j'avais très envie de vous faire une vidéo, je savais pas trop quoi, et du coup bah voilà, le calendrier de l'avance s'est présenté et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire cette vidéo là. Mais du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me suivre également sur Instagram si c'est pas déjà fait, parce que je suis active, et en même temps voilà, si je vous mettrai le nom du calendrier et son prix dans la barre d'infos si jamais vous voulez le retrouver. J'espère qu'au moment où la vidéo sortira, ils seront toujours là, ils seront pas en rupture de stock comme les autres. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve à mardi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye.